Good morning, les idées nécessaires aujourd'hui, les unishmat avant de Norbert Ben Fortune Mazal, les idées batester, Yako Nissim Ben Chana et Solvenish Levet Delma. Si vous souhaitez vous aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions au Serat Ketut, Perikbet, Mishnah Vav. Kol ha'arayot, echad gadol vechad katan, hakatan patur. Echad er vechad yashen, hayashen patur. Echad shogeg vechad mezid, hashogeg vechatat ve hamezid behikaret. On commence directement par traduire la Mishnah, qui est très simple à lire et traduire. Et que pour situer, il va falloir un peu plus rallonger. Mais pour le moment, on explique. Kol ha'arayot, tous les cas d'inceste. Echad gadol ve echad katan, akatan patur. Si en fait l'inceste a été réalisé par un adulte et un enfant, moins de 13 ans, on va expliquer exactement quoi. Mais en tout cas, la Mishnah Mosène sache que le katan, il sera dispensé, tandis que le grand, il sera chayav. D'accord? Prendre un cas, un frère, une sœur, le grand frère avec la petite sœur. Âgé pour une fille. Alors, pour une fille, on considère que c'est un rapport à partir de 3 ans. Si c'est avec moins de 3 ans, eh bien, ça n'a pas un statut de rapport. C'est pas pire que s'il le mettait dans l'oreille ou peu importe. D'accord? C'est derech evarim, c'est pas considéré comme une bia. Une bia, c'est qu'il y a eu un vrai rapport, c'est qu'il y a eu les membres génitaux. Et c'est considéré que la fille, elle doit avoir nécessairement 3 ans. Idem aussi avec le garçon à partir de 9 ans. Moins de 9 ans, c'est pas un rapport. C'est considéré comme un doigt, mais c'est pas considéré comme un membre par rapport aux lois des rapports. Ok, donc si maintenant il y a eu un rapport entre un adulte et un enfant, comme on expliquait, un enfant de moins de un garçon de moins de 9 ans ou une fille de moins de 3 ans, non, je me suis trompé. Bon, ça c'est vrai d'abord ce que je vous dis. S'il y a eu un rapport pareil, d'abord c'était pas nécessaire pour expliquer, mais c'est pas grave, c'est une bonne connaissance. S'il y a eu un rapport pareil, donc il n'y a pas eu de rapport, il n'y a rien eu. Par contre, s'il y a eu un enfant de plus de, un garçon de plus de 9 ans, ou une fille de plus de 3 ans, alors là, bien sûr, l'enfant, il ne va pas être condamnable du tout, ni de Corban, s'il était Shogeg, ni de Mézid, s'il était conscient. Parce que c'est un enfant, il n'est pas passible de. Il n'est pas Baronchin, il n'est pas condamnable. Tandis que l'adulte, il sera toujours Chayav. Idem aussi sur Echad Er ve Echad Yashen. Si on a un qui est réveillé et l'autre qui dort, il n'est pas dit dans sa chambre, il avait. Il pensait que c'est sa femme qui dormait, mais en fait c'était sa sœur ou sa mère. Eh bien, un Yashen Patour, celui qui dort, sera dispensé, il n'aura rien transgressé, il n'a aucune conscience. Même si, bon, on peut même pousser un peu le bouchon un peu plus loin, même si il s'est réveillé pendant l'acte, c'est une halakha très particulière. Une fois qu'on a commencé l'acte, en étant pour une femme, une fois qu'une femme elle a commencé l'acte en étant malgré elle, alors si après elle réalise et même elle prend plaisir, elle ne sera plus condamnable. C'est un cas particulier, c'est pas directement lié à la Mishnah, mais en tout cas. Donc, s'il y en a un qui est réveillé et l'autre qui dort, j'ai juste précisé que c'est pas la peine de dormir pendant tout le temps, même si après, au milieu, elle se fait réveiller, malgré tout, elle est plus condamnable. Donc, Echad Er ve Echad Yashen, un Yashen Patour. Un qui est réveillé et l'autre qui dort, celui qui dort, il est dispensé. De Korban ou de Onesh. Echad Shogeg ve Echad Mezid. Un qui est par erreur et l'autre par préméditation. C'est-à-dire qu'en fait, il est entré dans sa chambre, il pensait qu'il est avec sa femme. Et en fait, c'était sa sœur, et sa sœur, elle était bien consciente de ce qui se passait, et ça lui plaisait, elle voulait le faire comme ça. Eh bien, il y aura un statut différent pour chacun. Ashogeg, Bechatat, celui qui était Beshogeg, inconscient, alors il devra porter le Korban Khatat, le frère, lui, qui a fait l'acte, il pensait que c'était sa femme. Et il sera, Bekorban, il devra porter un Korban Khatat. Tandis que Vea Mezid Beikaret, et celui qui était conscient, il aura un Chiyuv Karet. Voilà la Mishnah telle qu'elle, ce qu'elle me présente. En réalité, cette Mishnah continue la Mishnah, pas précédente, mais la Mishnah d'Alet. Où là-bas, on apprenait les différences entre le Korban, entre la Shifra Chaoufa et les autres cas d'inceste. Que pour tous les incestes, on énumérait plein de différences, toutes sortes de différences, sur le type de Korban, sur le type de faute à réaliser. Il y avait des conditions beaucoup plus originales pour la Shifra Chaoufa pour être condamnable. Eh bien, la Mishnah maintenant vient continuer la liste. En mise en charge que pour tous les cas d'inceste, de manière générale, d'abord je vous ai introduit la notion qui va générer, je crois, toute la lachot, vraiment toute la lachot. La Torah, on avait vu quand on a ouvert les psukim, la Torah elle dit Bikoret tiye, Bikoret tiye, ça veut dire qu'il faudra frapper la femme, Vevi et Hashamo, et lui devra apporter son Korban Hasham. Ils sont juxtaposés tous les deux en même temps. On avait dit dans Yutet. Et c'est ici. Regardez, Bikoret tiye,
elle sera frappée au féminin, Tiye, c'est elle sera frappée. Lo yumtu kilochu pacha, ils ne seront pas tués parce qu'elle n'a pas été libérée complètement. Veviet Hashamo, et lui devra porter son korban Hashem. Ils sont juxtaposés. Le fait qu'elle, elle doit porter, elle doit se faire frapper, et lui doit apporter le korban Hashem. On apprend quelque chose que c'est une avéra que l'on est passible de elle se faire frapper et lui apporter le korban que si les deux vont en avoir pour leur compte. On ne va pas punir un sans l'autre. À la différence de tous les autres cas d'inceste qu'on va, comme ce qu'on a évoqué, on va punir l'un sans l'autre. Lui, il est parti, on sait, il est parti avec sa sœur qui dormait. La sœur, elle n'a aucun korban à porter, mais lui, il a transgressé la faute. Il devra porter lui son korban. D'accord? Le petit et l'adulte et l'enfant. Alors, on a dit aussi, l'enfant, il est dispensé de korban, mais l'adulte, il a quand même transgressé sa faute. Il devra lui apporter un korban. Eh bien, pour la chifra haroufa, c'est différent. On va prendre un cas, par exemple, d'une chifra haroufa. C'est un peu compliqué à expliquer comment. Mais en tout cas, un cas d'une chifra haroufa qui était petite. D'accord? Imaginez, il y a un cas, c'est évoqué. C'est avec Eger, Minchatrinour. Bref, peu importe, il y a un cas d'une chifra haroufa petite. Et un adulte va avoir un rapport avec elle. Eh bien, puisque elle ne pourra pas être frappée, puisqu'elle est petite, lui sera dispensé d'apporter son korban. Inversement aussi, ouais. Toutes sortes de cas de figure où elle était inconsciente, elle dormait, elle n'est pas passible de malkot, eh bien lui, il sera dispensé du korban. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation un petit peu originale. Qu'en fait, puisque elle est frappée et lui, il apporte un korban. Elle est frappée que si elle est consciente. Mais il apporte le korban même s'il est sans faire exprès. Donc il ne dort pas, oui. S'il s'est trompé de femme, il pensait que c'était sa femme, en fait c'était la servante qui était à moitié libérée. Lui devra porter le korban. Alors là on se retrouve dans une situation spéciale. Que lorsque elle est béchogeg, lui il est dispensé du korban, même s'il était bémézid ou shogeg. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est béchogeg, on ne va pas la frapper. On frappe que quelqu'un qui est conscient lorsqu'il transgresse un interdit. Tandis qu'un korban, on apporte le korban même lorsqu'on est shogeg. Même si on a fait par erreur, par inadvertance. Dans ce cas-là, si elle était consciente, et lui n'était pas conscient, il s'est trompé de personne, et donc lui devra quand même apporter un korban khatat, là, elle sera frappée, d'accord? C'est le principe de toute la Mishnah, tel que s'explique dans Bartanoa, donc, qu'il s'agit d'un grand, d'une petite, d'un quelqu'un qui dort et qui est réveillé, ou bien un qui était shogeg, un qui était mézid, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la sarakol, tout, c'est là.